Bon, nous sommes avec Jackie Le Proust, président de Moto Club du Mob, club mongénois. Un mot sur ce club qui fête ses 30 ans. Oui, donc le Mob Club fête cette année ses 30 ans. Il a été créé au mois d'août, parce que oui, même au mois d'août, on travaille, en 1989. Et donc, il n'a cessé d'évoluer. On a démarré avec quelques dizaines d'adhérents qui avaient envie de sortir un peu de la route pour aller vers les circuits. Et aujourd'hui, on est rendu à 80 adhérents, plus une dizaine de... 80 licenciés plus une dizaine d'adhérents. Donc on peut dire qu'on s'approche des 100 adhérents au club. Quoi. Donc vous aimeriez refaire des courses comme vous le faisiez? Eh oui, parce qu'on a organisé pendant 10 ans à la Pécardière, dans un hameau de Montfort-le-Génois, où on bouclait tout le quartier pendant un week-end pour faire des courses pour les jeunes, et même voir les plus jeunes, parce qu'ils pouvaient rouler dès l'âge de 6 ans. Ensuite, à partir de 1998, on a organisé pour une douzaine d'années sur le circuit de Maison-Blanche au Mans. Et puis il y a eu des impératifs ensuite qui nous ont poussé un peu vers la sortie, puisque il y a une grande marque automobile qui utilise ce circuit. Donc pour nous, il reste la piste de CIKA. La piste CIKA est très jolie, très belle. Les infrastructures sont bien aussi, mais très coûteuses. Donc pour pouvoir faire de la formation des plus jeunes ou approcher les plus jeunes vers la compétition et ensuite grandir, il nous faudrait qu'on trouve une solution moins onéreuse et plus abordable pour tout le monde. Bon, on ne désespère pas, il y a d'autres régions de France où ça s'est bien passé, donc les années à venir nous en diront plus. Alors, le club grandit, hein, il y a combien de pilotes aussi au sein de ce club? Bon, là, on est sur une quarantaine de pilotes à peu près. De l'endurance, notamment Bon, on a des pilotes d'endurance, on a des pilotes de vitesse, en toute cylindrée. Nous, on a des jeunes là, qui participent aux 23h60. C'est très bien pour. C'est la formation, ça commence par là. Donc, il faut du temps pour faire une carrière de pilote parce que. Aujourd'hui, tout le monde ne s'appelle pas Marquez ou Rossi, c'est-à-dire qu'à 15 ans, on ne devient pas tous champion du monde. Ben, on a le droit de se faire plaisir à tout âge. Donc, ensuite, on a des pilotes qui sont plus un peu plus âgés, mais qui commencent et qui se font plaisir. Et on a eu des éléments qui allaient vite, très rapidement. Justement, un petit bilan de cette saison écoulée. Alors aujourd'hui, il est difficile de mettre des résultats parce que pour un pilote qui veut faire tout un championnat, c'est très difficile. Il faut avoir des journées de congé, il faut avoir le budget, etc. Donc on a quelques coups d'éclat, j'irais, mais en termes de résultats national, beaucoup moins parce que le budget compte pour beaucoup pour pouvoir cumuler des points tout au long de l'année. Donc on a eu de très bons résultats de certains pilotes du club, oui. Dernière question, on clôturait l'année comme chaque année avec cette belle exposition. Oui, là cette année nous avons mis encore les bouchées doubles puisque ici là dans la salle nous avons 90 machines d'exposer. Souvent on tourne à 65-70 machines et là nous avons 90. C'est vrai qu'on a eu, bon, pour rappeler un peu l'origine, on a mis pas mal de cyclos, mais le cyclo en ce moment est aussi à tendance puisque les quarantenaires et cinquantenaires ont beaucoup roulé sur des cyclos et on aime bien revenir à sa jeunesse, donc la nostalgie parle. Et donc là, il y en a pour tout le monde. Et donc on a rappelé les principaux thèmes qu'on avait fait au fil de ces 30 ans. Et on a eu le plaisir et l'avantage d'avoir des motos qu'on n'avait pas encore eues. Des motos très très exceptionnelles et qu'on souhaite encore revoir de temps en temps. Merci beaucoup.